Bonjour à toutes et tous, c'est Blarkan. Et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 19 de mon Let's Play sur le jeu Dragon Dogma. Oui, Dragon Dogma. Nous sommes à Cassardis, mes amis. Et qu'est-ce qu'on fout ici? Ah bah c'est une bonne question. On se souvient du dernier épisode, ou des derniers épisodes, où j'ai tué des millions de trolls. Blarkan, c'est pas des trolls, c'est des ogres. C'est pareil. Oh non, c'est pas pareil. Les trolls, c'est autre chose. Ouais, mais pour moi, les ogres ressemblent à des trolls. Donc voilà, donc si vous le saviez pas, c'est pas des trolls, c'est des ogres. Oui, on le savait. Et en plus, on te l'a même pas dit en commentaire. Bande de trolls, bah. Non, c'était des trolls. Je sais pas. Alors j'ai un peu du mal à reprendre. J'ai tourné du Dead Space juste derrière, juste avant. Et du coup, les touches ne sont pas pareilles. Bon, qu'est-ce qu'on fout ici? On fout ici parce qu'on a une petite quête à faire. Voilà, une quête d'escorte. Une quête d'escorte de l'amour. Adaro, on doit l'emmener au fort de l'Ardrey. Adaro, c'est qui? Eh ben, c'est le chef du village. Salut. Du coup, pour vous montrer où est-ce qu'on doit l'emmener, nous, on est ici, et le monsieur, il veut aller... je sais pas, en fait. Journal. Well. On a dit... Eckhart, région. Donc on est ici, et le monsieur, il veut aller... ici. Donc je pourrais passer par là, là, tout le chemin, et passer par là. Mais je réfléchis. Et on va aller d'abord se téléporter. Enfin, j'espère que ça va marcher. J'espère réellement que ça va marcher. Je me suis dit que le chemin le plus safe pour l'emmener d'un point A à un point B, c'est de passer par Grande Sorène. Et par le passage qu'on a débloqué dans les épisodes 17 et 18. Enfin, j'espère qu'il s'est téléporté avec nous, en fait. Parce que sinon, je suis mal barré. Oui! Oui, mon ami! Salut! Bon, allez, vous suivez les copains? Ouais, ils suivent. Super, je savais pas si le mec qu'on escorte bah, se téléportait avec nous, je m'en souvenais plus. Donc j'avais vraiment un doute, c'était qui tout double? Imaginez qu'il serait pas téléporté avec nous! Ça aurait été. Où est-ce qu'il est, Adaro? Et les filles, faut pas le laisser tout seul! Ouais, bah ça va être long. Vous comprenez pourquoi je fais un épisode spécialement pour cette escorte? Putain, mais il est vraiment lent. Oh là là, ça va être tendu. Ouais. Bon, on y va. C'est bon, tu suis? Ok, il suit. Allez. Il y a des quêtes d'escorte où on est obligé de les faire, en fait. Sinon, elles disparaissent pas. Il y a aussi des quêtes d'escorte quand on aime quelqu'un, qu'on la drague. Au bout d'un moment, elle veut qu'on l'emmène quelque part. C'est relou. Et cette carte d'Adaro, je l'ai depuis quasiment le début du jeu. Mais je voulais pas le faire parce que j'avais, un, pas le niveau. Et deux, l'endroit où il veut m'emmener, c'est assez horrible. Réellement, la première fois que je l'ai fait... J'ai fait que fuir les combats parce que cette zone là-bas, c'est une zone haut level, très haut level. Et je me faisais défoncer. Donc là, on se la joue stratégique. Et la stratégie, c'est de passer par là-bas. Eh ouais. De préférence, on va éviter de croiser les gens, enfin les méchants. Où est-ce qu'il est, Adaro? Ok, il suit. Donc ça va être un épisode assez tranquille parce que je savais pas quoi faire... Parce que je sais très bien quelle est la suite du jeu. J'aurais pu le faire dans cet épisode. Mais j'ai envie de le faire pour l'épisode 20. Voilà. Voilà, c'est plus ça. J'ai envie de le faire pour l'épisode 20. Vous suivez? Oui. Donc on va se balader tranquillement. On va profiter du paysage. Vous voyez, c'est très joli. C'est très beau. Et je me dis que un épisode tranquille...
après les deux épisodes que j'ai eu, méga combat épique et tout ça. Il est mort. Voilà. Les gobelins ne sont plus une très grosse difficulté, on est d'accord. Ne sont plus une grosse difficulté. Donc, en tout cas, les deux épisodes de combat vous ont bien plu. Ça m'a fait très plaisir. Vous étiez là, wow, c'était épique, méga épique. Ouais, c'est vrai que c'était assez chaud. Hein. Je me rappelais absolument pas qu'il y avait autant de trolls. Je sais qu'il y en avait au moins un, mais je me souvenais vraiment plus qu'il y en avait plusieurs. Et déjà, comment j'avais galéré pour le premier. Quand j'ai vu le deuxième, j'ai fait ok. Et le troisième, je pensais vraiment pas arriver à le battre. Parce que réellement, j'ai utilisé beaucoup de popo. Et on sent que j'ai pas encore le level pour y aller, vas-y YOLO, et vas-y que je le tue. Et voilà. Je sais qu'au bout d'un moment, ces monstres, hein, ces trolls, ne me feront absolument plus rien. Ça sera clairement des victimes. Hobgoblin! Allez, retour. Les gobelins. Ok, qu'est-ce que tu fais, Blarkane? Ok. Non. Bon, ok, Blarkane, ça y est, je sais plus jouer. Comment on fait déjà pour taper? Ah oui, voilà, comme ça. Ok, c'est bon, c'est pas grave, c'est ce que je vous disais. Et il y a des fois où... Non, voilà, c'est pas ce bouton-là pour prendre, c'est l'autre bouton. Heureusement que j'ai des pions qui sont plutôt badass. Bon, meurs. Merci. Voilà. Bon, Adaro, ça te va la visite? T'es flex? Toi, t'es tranquille, hein, tu t'en fous. T'es en mode escorte, vas-y. Blarkane, il va te sauver et tout ça. Ouais, bah oui. Et donc, on retourne à la carrière. Vous voyez, c'est pas si loin de Grande Sorène. Et encore, j'ai pris mon temps, mais si j'avais couru, je serais déjà. Coucou. Salut. Ok, vous êtes tous en train de vous... Il est où, Adaro? Adaro, t'es là? Ayana, c'est bon, tout le monde suit? Ok, on y va. Et donc maintenant, cette carrière, eh bien, c'est une... elle est minée par des gens, il y a des marchands, et du coup, on n'y voit que dalle. Et maintenant, vous voyez, c'est une zone neutre. Mon endurance ne tombe pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de monstres. On peut revenir ici, miner pour avoir des pierres, mais il n'y a aucun problème. C'est une zone totalement safe. À part quand je me trompe de chemin, ce qui est à peu près le cas là, à l'heure actuelle. Mais bon, il y a un coffre. Donc vous voyez, c'est pas pour rien que je l'ai fait assez rapidement cette quête. Voilà. Allez! Je suis pas venu ici pour me bourrer les poches, s'il vous plaît. Où est-ce qu'on est, là? Je suis un peu perdu. C'est par où, le chemin? Faut que je regarde la carte. D'accord. Ok. Peut-être par là. Donc, on a une petite musique, on a un petit chemin. Tout se passe parfaitement et tout est sécurisé. Et donc, à cet endroit-là... vous pouvez voir un marchand. Voilà, le marchand qui vous avait posé la question. Aidez-moi, il faut ouvrir le passage. Voilà. Et ce marchand, en fait, vous vend des choses intéressantes. Donc des choses comme... voilà. Voilà. Hop. Un billet à ordre. Ce que je sais pas réellement ce qu'il est. Voilà. Il vend de nouvelles armes que j'ai achetées. Certaines, j'en ai acheté d'autres. Je n'en avais pas besoin, il est vrai. Et il vend des armures aussi. Que j'ai acheté, vous voyez, casque de faucon blanc, armure du faucon blanc, cuirasse de bronze, tout ça j'ai acheté, mais certaines je ne peux pas les mettre parce que, hélas, je ne suis pas, voilà, c'est pour des catégories de guerriers,
Et comme j'ai aucun guerrier et que moi je suis voleur pour le moment, bah voilà. Donc voilà, j'ai acheté des nouveaux équipements. Annuler la transaction, oui. C'est pour cela que j'ai une nouvelle cape. Voilà, j'ai quelques petites nouveautés. Ayana aussi, mais elle est toujours moche. Hein. On lui mettra des équipements bien plus sexy plus tard. Là, on essaye de voir sur le côté fonctionnel, voilà, fonctionnel. Et donc, on peut traverser tout le chemin très rapidement en courant, sans pour autant... alors, je suis bien sur le bon endroit. Parce que je sais plus, hein, du coup, moi, tout ça. Voilà. Olé. Alors, je cherche quelque chose, en fait. Je crois que c'est cette caisse-là. Ouais. Ou pas. Filet de bête. Ou alors c'est celle-là. Alors attention, oui. Vous voyez cette... viande d'ambroisie avariée. Ça va être important, parce qu'on aura une quête où il faudra en récupérer 10. Et il n'y a que à cet endroit, quand vous sortez, rentrez, que vous allez pouvoir en récupérer. Et sinon, c'est sur les griffons. Oui, parce qu'il y a des griffons dans ce jeu. Mais c'est un loot assez rare, donc je vous invite, tant que vous pouvez, à essayer de les récupérer. Et les stocker quand vous en aurez besoin. Voilà. Voilà, voilà. Et donc, ben, on traverse tranquillement. Vous voyez, c'est totalement sécurisé. Adaro, c'était pas le bon chemin. Où est-ce qu'il est, Adaro, là ? This looks interesting. On a perdu Adaro, là, les amis. Ok. Et donc, vous pouvez passer par là. Et normalement, il n'y a pas de monstre. Vous voyez, c'est là où on avait tué les trolls. Et on va pouvoir sortir de l'autre côté. Et donc, on vient de traverser quasiment la moitié de la carte, grâce à ce raccourci. Et c'est plutôt pratique. Voilà. C'est plutôt très pratique. Et donc, si je vous montre... L'arcade, on a déjà vu. C'est pas grave, je vous montre. Là, je suis en mode explication. Ben, on est de l'autre côté. Et vous voyez, on a fait... on a esquivé quasiment tous les monstres. Et donc, on va longer un peu cette partie-là, de la forêt. Parce que là-bas, il y a un camp de gobelins qui sont un peu plus haut level, quand même. Hein. Ils sont un peu plus haut level. On va leur jeter un petit coup d'œil une fois qu'Adaro sera à son endroit préféré et que la quête sera terminée. Voilà, parce que je vais quand même essayer de tenir 25 minutes si je vois que j'ai rien d'autre à faire. Voilà. Ou quoi qu'ils sont peut-être pas si forts que ça. Hein. On va pouvoir les défoncer. Et ouais. Oui, il y avait. Le 1, et le 2, et le 3. Allez, combaston. J'avais pas prévu ça, mais on y va. Combaston. Aïe, aïe, aïe. Oh non. Oh non, il redemande. Oh non, attends, toi. T'arrêtes. Allez. Il a demandé des potes à ce qu'ils viennent. Quoi? Il y en a encore? Oh non, 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 non. Toi. Allez, faut tuer le leader. Faut tuer le leader. Voilà. Et demain. C'est bon? C'est bon, c'est bon. Non, c'est pas bon. Il y en a encore. Adaro, ça va, Flex, la fougère? Tu t'en sors bien? Je suis coincé. Où est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'ils sont? Bah voilà. Bon, bah en fait, les gobelins sont pas au level. C'est peut-être moi qui la première. Ça va, madame? Vous êtes sauvée. Merci. Donne-moi de l'argent. A priori, elle s'en fout complètement. Oula, oula. Qu'est-ce qui se passe? Ok, ça veut dire qu'elle a disparu. D'accord. Attends, j'ai cru que ma console avait planté. Ça y est, quoi. J'étais là. Quoi, déjà? Ça va pas? Allez. Bon.
Vous voyez, c'est une petite forêt, toute mignonne, toute belle. Toute sympathique. Oula, j'ai la caméra est un peu bizarre là, quand même. Hein. Et bois du feu de l'enfer. Ce nom porte bien... Enfin, cette forêt porte bien son nom. Parce que je vais vous montrer. Oui, bébé. Allez, toi, on va te tuer avant que tu ailles sonner la lèvre. Voilà. Bah, je suis très étonné de mon niveau. Hein. Je veux dire, là, je roule un peu sur les monstres. Je veux dire, je suis pas mal optimisé. Je suis très content. On a pris notre temps, hein, les épisodes. On n'a pas beaucoup avancé. On n'a pas beaucoup avancé dans la quête principale, dans l'exploration. Mais on s'est préparé. Et dans ce genre de jeu, je vous conseille de vous préparer. Parce que c'est... Voilà, c'est un jeu qui fait pas de cadeaux, comme je vous l'ai dit. Et si vous allez un peu à la Walogen, bah, vous allez avoir un petit peu mal. Et il va vous mettre des fessées, ce jeu. Et je suis pas à l'abri de me prendre une belle grosse fessée à un moment donné. Et je pense qu'à ce moment-là, vous allez rigoler. Allez. Il faudrait vraiment que je change mes attaques parce que je trouve que c'est extrêmement pourri. Et quand je me plante, ça va pas du tout. Allez, on y va. Hop. Et brise le cœur. Oui, yeah, bébé. Nickel. Bon, bah. Gobelin, hop, gobelin, ça passe. Ça passe, crème. Qu'est-ce que t'en dis, Adaro? Ça va? Ta famille, tout ça? Toi, t'es... Ouais, mais Adaro, il est tranquille. Hein. Je veux dire, le mec, il est là, il s'éclate comme un fou. Quoi, encore? Non mais il y en avait pas il y a 30 secondes. Là. Alors où est-ce qu'ils sont? Toi là. Une petite charge folle, tiens. Allez. Allez. Ça fait rien de continuer. Oh non, mais arrête d'appeler du monde, toi. Allez, couche-toi. Ils vont arriver en masse, après. Vous voyez, regardez. Toi, là-bas. C'est fini? C'est fini ou... On continue, là. Ça va? Bon. On continue Alors, pas l'exploration. On continue l'escorte d'Adaro. On y est presque d'ailleurs. J'ai plus d'endurance. Ouais, ça fait déjà 18 minutes, hein. L'air de rien. Et voilà, le fort de l'Ardré. On y reviendra. Il y a une grosse quête à faire là-bas. Mais au moins, on l'a escorté sans mal. T'es content, Adaro? Ouais. Voilà. Au moins, cette quête sera terminée. Donc en théorie... Donc gardez ça en tête, le fort de l'Ardré. Gardez-le bien en tête, on y retournera. Et on va s'amuser. Hein. Clairement. On va se même fendre la peau. Ok, donc Adaro, lui, va disparaître. Et du coup, il y a donc une sauvegarde automatique... Super. On va continuer d'explorer un petit peu le secteur. Vous voyez, il y a plein de gorées. Ça, c'est bien pour la viande. Voyons voir un peu la carte. Donc, on a fait un petit peu le tour. J'aimerais faire à nouveau... Bien le tour pour au moins éclaircir cette zone et se dire bon, on a commencé un peu à visiter et je vais vous montrer ce qu'il y a aussi dans le feu de... Non, je me trompe de bouton, c'est chiant, hein, je suis vraiment navré.
C'est pas le même bouton qu'avec Amalur, hein, du coup. Avec Amalur, les royaumes... enfin non, les... Dead Space, Ryzen et ce jeu-là, bah, les touches sont pas les mêmes, ce qui fait que, bah, à chaque fois que je change de jeu, j'ai un peu plus de mal. Allez, 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 allez! Moi, on va défoncer plein de gobelins. Oh non, mais j'ai déjà plus d'endurance, quoi. Mais... va falloir que je fasse quelque chose pour mon endurance. Non, mais arrête de manger. Des renforts, ça va, ça n'a pas. Voilà, c'est bon, c'est fini. On est tous copains. Oh putain, où vous le voyez là? Vous le voyez? Lui, il m'a pas vu. Voici un Drake, mes amis. Ce n'est pas un dragon, c'est un mini dragon. Et on va pas s'attaquer. Voilà, donc pourquoi j'ai pas voulu passer? Passer par ce chemin-là. Donc faire tout le tour, tout le tour, tout le tour, tout le tour, tout le tour. Vas-y, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Eh bien, parce que... j'aurais dû être nez à nez avec le dragon. Et personnellement, être nez à nez avec le dragon, c'est pas pour cet épisode. Lachan, on veut quand même que t'essayes de combattre le dragon. C'est trop trop épique. Non, mes amis. Je sais que j'ai absolument pas le niveau. Réellement. Et à part mourir et recommencer là où j'en suis, ça sera pour une autre fois. Mais croyez-moi, ça sera un combat épique. Parce que la première fois que j'ai essayé de battre le dragon à mon niveau là, parce que c'est à peu près ce que j'avais fait, je me suis fait 1. Défoncer. 2. J'ai... comment ça s'appelle? Quand tu meurs. Et 2. J'ai recommencé un peu plus tard. Et j'ai mis 45 minutes pour le vaincre. Un combat de 45 minutes. Et des millions de popos dépensés. Donc, voilà. Donc, je préfère attendre un petit peu et vous montrer ça quand je me sentirai à l'aise. Là, pour vous montrer un vrai combat bien sympa. Hop, l'arcade, il fuit. Ah, il combat. Il fuit. Il combat. Il fuit. Il combat. Voilà. C'est à peu près comme ça que j'avais réussi à le vaincre la première fois. Donc, non. Voyons voir, voyons voir, voyons voir. Avec la console qui lag. On va remonter aussi le chemin, voilà. On va remonter par là. Parce que par là, il y a des trucs assez intéressants malgré tout. Hein. Quoi, ils ont... oh non, ouais, c'est bon. Hein. Ils ont popé devant moi, non merci. Hein. Non, je me trompe de bouton. Je me trompe de bouton. Alors, ici, il y a des, comment ça s'appelle? Je sais plus. Enfin, en tout cas, n'allez pas dans l'eau. Vous savez, il y a le Kraken. Le fameux Kraken. Voilà. Et on va passer donc par derrière... oui, on va passer par derrière, voilà. Donc ça sera calme, c'est juste un petit peu un début d'exploration. On se lance sur le secteur. Histoire que la map se déverrouille un peu plus rapidement. Et comme ça, je vais m'arrêter une fois de retour dans le sanctuaire. Enfin, dans le passage, le raccourci qu'on a débloqué. Hop. Fleur d'épine. Cool. Donc la nuit, il y a des fantômes à cet endroit, ou des esprits. Et le jour... je crois que vous avez des sauriens, mais des sauriens rayés. Les sauriens rayés, bah, c'est une race de gros lézards, vous savez, les gros lézards auxquels il faut leur couper la queue. Plus puissant, tout simplement. Plus puissant que les premiers qu'on a déjà vaincus. Directement. Ah, il y a un camp ici, regardez. Je savais pas qu'il y avait un camp ici.
C'est bon à savoir, ça. Un camp de repos. Ok. Vous trouvez des personnages, je vous offre un... d'accord, on s'en fout. Salut. Ouais. Ok. On peut entreposer et on peut se reposer. Oh. Eh ben, on va dormir jusqu'au matin. Ok. Donc, vous voyez, il y a un camp de repos. Je me rappelais plus qu'il y en avait un. Tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Et toi là. Toi là. Tu dois vendre des trucs. Alors, voyons voir ce que tu vends. Tu vends des nouvelles choses. J'aurais peut-être pas dû dormir, en fait. Ils vendent des extraits de vigueur. Tiens, je vais en acheter deux parce que j'en ai pas. Ils vendent des flèches. Ils vendent des pots de sauriens rayés. Ok. Alors tout ça, ça veut dire qu'on l'a déjà vu ou qu'on l'a. Donc, arc de grand loup. Ouais. Casque à cornes. Ok. Je veux dire, tout ça, on l'a. Armure d'éclaireur, tiens, on prend. Bracelet d'argent, on prend. Et gantelet de cuir rouge, on prend. Bande de cuir. Cuissard de cuir rouge. Nickel. Et ben, on confirme. Terminé. Changer d'équipement, ouais. Là, ça m'intéresse pour voir si c'est mieux que ce que j'ai acheté, du coup. Alors. Ouais. J'avais ça, moi. Ok. On va équiper. Alors, les gantelets. C'est pas mieux. Et, du coup, ça. 293, 234... Ouais. Hein. C'est moyen. Hein. Finalement, je vais peut-être améliorer ça. Ça me donne une drôle de dégaine, il est vrai. Mais bon, c'est en attendant, on va dire. C'est en attendant. Ça fait pas peur. Ok. Bon, bah voilà. Et bah, c'est sur ce camp de repos qu'on va s'arrêter. Je pense que je vous reprendrai directement à... Comment ça s'appelle ? À Grande Soren. Puisque la prochaine quête se passera là-bas, dans l'épisode 20, qui sera en 1080p, en épisode spécial, voilà. Donc durée à peu près similaire à celui-ci, et en 1080p pour l'épisode 20, tranquillement. Comme vous avez eu un épisode très très long la dernière fois, sur un épisode avec une meilleure qualité pour le prochain. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce vert, un commentaire ou de partager la vidéo. Je sais qu'il s'est pas passé grand-chose, mais voilà, je l'avais annoncé. C'est vraiment histoire d'explorer un petit peu. Et d'avoir fait cette fameuse quête d'Adaro que j'avais depuis longtemps, de manière safe et sécuritaire. Voilà. Je vous souhaite tout plein de bonheur, je vous dis à ciao tout le monde, et en tout cas, merci de m'avoir regardé. Allez. Ah, c'est quand que ça sort? Jeudi. Eh bien, jeudi prochain. Bye bye.